Good morgen, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Lonishmat François Faji Ben Hana, Janine Ruth Bat Fortune Mazel Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet PA, Perek et Mishnahé. Amachlif im a'ani'im, Beshelo Patour, ou Beshel Ani'im Chayam. Shem Shikiblu et Asadé, Ba'arisut. Zen Anten Chelko, Chelko Maaser Ani. Le thème général des Mishnayot qu'on a démarré depuis la Mishnah précédente jusqu'à à peu près la fin du chapitre est de savoir quelles sont les personnes qui ont le droit de recevoir le Maaser Ani. D'accord? On a vu dans la Mishnah précédente le cas d'un balabait, d'un riche qui est pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui a concrètement plein de biens, plein de... mais il se retrouve dans un endroit paumé, tout seul, sans possibilité d'utiliser, d'exploiter son argent. Donc du coup, il est pauvre. Comme il est matériellement pauvre, on a vu une marquette, est-ce qu'il doit ensuite, s'il a pris des dons qui reviennent aux pauvres, est-ce qu'il devra les rendre ensuite ou pas? Ça, c'est la Mishnah précédente. Donc, Mishnah, maintenant, on va s'intéresser à définir dans la Mishnah, celle-là et les prochaines ensuite, définir à partir de quand on est considéré comme propriétaire du champ et donc on ne peut plus prendre les biens qui nous reviennent de droit. Ça, ce sera le sujet essentiel. Mais d'abord, on a une petite phrase qui n'a pas tellement de rapport avec tout le contexte. Donc je la fais très rapidement, après je me focus plus pour introduire l'idée. D'abord, on a Amachlif Imanim, celui qui échange ses fruits avec les pauvres, Beshelopatour, ce qu'il va avoir à lui, ce qu'il a à lui, c'est-à-dire ce qu'il va recevoir, c'est dispensé de Tromotomasot, Beshalanim, Chayab. Est-ce que les pauvres vont recevoir ce sera imposé de Tromotomasot? Je m'explique, c'est très simple. Lorsque je reçois ma récolte, moi j'ai semé, labouré, semé, cueilli, et à présent, j'ai maintenant mes fruits qui sont imposables de Tromoto Masrot. Tout au long du travail de la terre, surtout par exemple quand j'ai commencé à cueillir, alors j'ai été imposé de donner toutes sortes de dons aux pauvres notamment. D'accord? Le Ketch, Chicha, Pea, après j'ai remis ma Serani. Dans la part que moi je reçois, je suis imposé de donner différents de taxes. Touma, Maaser Rishon, Maaser Sheni ou Maaser Ani, ça dépend des années. J'ai des choses que je dois moi donner, je dois distribuer, j'ai des taxes. Moi je suis le riche, mais on me taxe à moi. Mais ce que le pauvre il reçoit, la Torah l'a dispensé de donner les Touma Maaser. Parce que c'est en soi-même une taxe. Celui qui reçoit la taxe, en général, il ne doit pas en la taxe, sauf un cas particulier, c'est le Lévi. Quand on reçoit une part, il doit redonner une part au Kohen quand même, malgré tout. C'est très spécial, mais de manière générale, toute taxe qu'on paye, cet argent qu'on va donner, ou bien ces fruits qu'on va donner en guise de taxe, eux ne sont en général pas imposables de nouveau de payer une taxe. Donc, le pauvre, il a pris le leket chitra pea, il a reçu sa part. Maintenant, pour une quelconque raison, je veux lui échanger ses fruits. Donne-moi ces fruits-là, je te donne d'autres qui sont meilleurs pour toi-même. J'ai de la peine qu'il ait des mauvais fruits, je veux les échanger, j'ai bon cœur. Je vais lui donner des fruits. Et moi je prends les siens, et puis moi je me débrouillerai avec ça, c'est pas grave. Et la Michal vient me dit, ben, tu sais, les fruits que lui va recevoir, ils sont désormais imposables de Tromoto Masrot, puisque moi, mes fruits sont imposables de Tromoto Masrot. Tandis que les fruits que je reçois de lui, ils sont dispensés de Tromoto Masrot. Ok? Michal relativement simple. Introduction relativement simple. Maintenant, on va entamer concrètement le gros sujet, de la Mishnah précédente et des prochaines Mishnayot aussi. A savoir, la Torah elle m'a dit Sadecha, comme on s'est dit déjà, beaucoup de Sadecha, mais qu'est-ce que l'autre peut être Sadecha, l'Iktsor, mais la quête que Tzirecha, l'autre est la quête. Ton champ, tu ne le prendras pas toute la PA, et toute ta cueillette, la Torah dit Sadecha, Tzirecha, ce qu'il y a fait. De là, on apprend une règle très importante. Imagine un pauvre, qui a malgré tout, il travaille, il a un champ. Ce champ, il ne lui couvre pas du tout ses frais, donc il reste encore un pauvre malgré son champ. Est-ce qu'il a le droit de prendre les dons prévus pour les pauvres, les prendre pour soi-même? Ou est-ce qu'il est obligé de les donner
à un étranger. Donc, de manière générale, c'est écrit « Sadecha veketzirecha ». Ton champ et ce que tu cueilles, ta cueillette. Donc, on se retrouve avec la situation que si tu es propriétaire du champ, tu n'as pas le droit de prendre des fruits de ton champ. Et si même tu n'es pas propriétaire de ton champ, mais tu es propriétaire juste de la cueillette. C'est-à-dire qu'en fait, tu es un kablan. On va expliquer après plus dans les détails les conditions juridiques pour être imposable. En tout cas, puisque tu es un propriétaire maintenant de la cueillette, tu ne pourras plus prendre ni toi, ni même tes enfants. Ni lui, ni ses enfants. Parce qu'il est lui-même, il est propriétaire du champ. Ses enfants qu'il doit lui-même nourrir de sa poche. Donc, c'est lui qui doit assumer. Il n'a pas le droit de prendre de sa poche de droite pour mettre la poche de gauche. Donner aux pauvres, c'est-à-dire tu sors ta poche, tu donnes aux autres. Même si toi-même, tu es pauvre, tu as le droit de prendre. Sur ce coup-là, tu n'es pas propriétaire de ton champ pour donner. D'accord? C'est l'idée générale. On va commencer avec un premier cas. Shnaim Shekiblu et Asade Barisut. On a deux personnes qui ont reçu un champ en Harisut. En Harisut, c'est une sorte de bail qu'on reçoit, où en fait, j'ai oublié comment ça se dit, j'avais pas le temps de faire des recherches pour trouver les termes exacts, je m'en excuse, j'ai eu une fille hier, Baruch HaShem, et du coup je suis un peu perturbé, donc c'est pour ça que les cours montent un peu en retard ces deux derniers jours. Mais, donc, il y a Harisut, c'est une sorte de bail qu'on reçoit sur un champ, où je prends, c'était fréquent dans la France médiévale, avec les souverains, ils avaient les terres, ils prenaient le champ, je devais donner deux tiers au seigneur, et je gardais un tiers pour moi. D'accord? Mais c'est fréquent, on peut le faire avec n'importe qui. On reçoit quelqu'un, il a un champ, il n'a pas la force de l'exploiter, lui, il travaille dans d'autres choses, mais il prend des personnes qui vont travailler pour lui. Moi, tu me donnes un tiers, la moitié, le quart, les trois quarts de la récolte, selon le cas, les conditions, et tout le reste, tu le prends pour toi. C'est la condition. Donc maintenant, il s'avère que moi, qui vais être l'employé, l'exploitant, je ne suis pas franchement propriétaire du champ. Je ne suis pas du tout propriétaire du champ, d'ailleurs. Je n'ai aucun droit sur le champ. Mais le champ, il est en ma possession pour cette récolte-là. D'accord? C'est une sorte de location où je vais payer au pourcentage, où je vais recevoir un pourcentage. Puisque maintenant, tu deviens propriétaire de la récolte elle-même, alors c'est vrai que je ne suis pas propriétaire du champ, je suis propriétaire du ketzir. Il y a marqué Sadra et Ktsirecha. Le Tchalepé à Sadra l'Ipsor, le Ketsirecha. Ktsirecha, c'est ta récolte. Je suis propriétaire de la récolte. Alors dans ce cas-là, je ne peux pas prendre ces fruits-là pour moi. Ce qui se passe, c'est que on était deux associés. On est partis, deux associés pauvres. On est partis recevoir un bail de la sorte, où on va recevoir le tiers des fruits pour nous après on se partage. Alors la Michel me dit bien, d'accord, c'est le cas. Shnaim Shekiblu et Asadeh Baharisut, deux associés qui ont reçu un champ, Baharisut, être Haris, ça signifie recevoir, comme on dit, le Bartanora, le Versa, les Shlish, le Rebiya, à moitié, au tiers, au quart, selon les conditions qu'ils ont posées. Alors la Mishnah me dit, Zenoten Chelko Maaser, Zenoten Azem Chelko Maaser Sha'ani, mais Zenoten Azem Chelko Maaser Ani. Celui-ci va donner de sa part le Maaser Ani pour son associé. Et son associé va pouvoir donner de sa part le macérani pour lui-même, pour l'un, d'accord? Mais chacun ne peut pas prendre pour soi. Mais nous, comme on est deux associés par contre, alors on est deux associés, d'accord? Mais une fois qu'on s'est partagé, on n'est plus associés. Moi, j'ai une part à donner aux pauvres, je te donne à toi. Parce que ce que moi, c'est un peu plus délicat, attention, parce que si jamais... On ne va pas rentrer dans plus de détails, mais pour le moment, une fois qu'on s'est partagé, il s'avère qu'en fait, la part que j'ai reçue, c'était ma part. En réalité, c'est pas qu'on a reçu à deux un tiers, c'est qu'on a reçu tous les deux un sixième. Donc moi, je peux donner ma part à l'autre, parce que la part que moi j'ai reçue, c'est pas son quatre-tirs, c'est mon quatre-tirs. Je peux pas la donner au propriétaire, on en reparlera ensuite. Mais pour le donner à l'associé, je peux, parce que l'associé, il a jamais été propriétaire de cette part-là. Mais après, une fois que j'ai reçu ma part, ce que j'ai reçu, c'est ma part et c'est pas la sienne, c'est mon quatre-tirs à moi, c'est pas son quatre-tirs. Donc lui, il est pas propriétaire du champ lui-même. Et il n'a pas, non plus le propriétaire de la récolte, il peut recevoir. D'accord? Suite de la Mishnah. Amekabel Sadeliktor, par contre, celui qui va recevoir un champ à cueillir, même principe, avec, cette fois-ci, il est kablan. Alors là, je n'ai pas vérifié exactement quel type de kablan on prend. Ah, ça va être précisé en sujet, ça va bien sûr. Donc, pour le moment, on parle de quelqu'un qui reçoit un champ à cueillir.
D'accord. Donc il est en Kablanout, c'est la même chose que la Rissout précédente, comme ça va être précisé ensuite. Il reçoit, alors la Mishnah me dit, sache que Asur Beleket Shichecha ou Pea ou Maaser Ani. Il a le droit de prendre aucun don qui revient au pauvre, ni le Leket, ce qu'il cueille pendant la cueillette, ce qui lui tombe des mains, après qu'il a envie de venir glaner. Il n'a pas le droit de venir glaner. Shichecha, c'est ce qu'il a laissé. Pea, c'est le coin qu'il a laissé pour le pauvre. Tout ça, c'est pas, il n'a pas le droit de le prendre, et ni le Maaser Ani, bien sûr, une fois qu'il a reçu sa récolte, qu'il va prélever, il va avoir la droit de Maaser Ani. Il va dire, c'est bien, moi je suis moi-même Maaser Ani, je vais le mettre dans ma poche de gauche. Non, il n'a pas le droit. Sur ça vient Rabbi Yehuda nous dit une précision très importante. Et ma taille, attention. Quand est-ce Amar Rabbi Yehuda et ma taille, Rabbi Yehuda nous dit quand ça a été dit cette halakhala, Bizman shikibel mimenu le merza, lishi, lishlish ou le raviya, à condition qu'il a reçu le champ au tiers, au moitié, tiers, quart. D'accord? On a dit, on s'est partagé le champ. Donc là, maintenant, il est propriétaire du katsir. Par contre, Avalim Amarlo, par contre, si le propriétaire lui a dit, tu sais, t'es pas pour être, tu prends rien, tu n'es pas propriétaire de la récolte. Jusque ta paye sera quoi? Shlish Mashata Kotser Shelcha, le tiers de ce que tu auras cueilli sera à toi. Donc au moment où tu cueilles, c'est les fruits du propriétaire. Après, une fois que tu as cueilli pour moi, alors moi je te permets de prendre un tiers de la récolte. Mais tu n'es pas propriétaire de la récolte elle-même au moment où tu la cueilles. Après la cueillette, en fait, c'est ce que ça veut dire. Après la cueillette, tu m'as fait rendu. Tu m'as fait un travail pour ta prestation. Je vais te payer un tiers des fruits que tu as récoltés. Il s'avère que maintenant, je ne te donne pas. Je ne t'ai pas fait propriétaire des fruits. Dans ce cas-là, Moutar Balekhet Shikha ou BPA, Vasson Bemaaserani. Dans ce cas-là, le pauvre, il aura le droit de prendre le Leket Shikha ou BPA parce qu'au moment où il cueille, il n'est pas propriétaire du champ. Par contre, la part des fruits que je vais lui donner, il s'avère que maintenant, c'est les fruits que lui reçoit en guise de paye. Et lorsque lui va recevoir en guise de paye, il devra ensuite prélever le Maaserani. Il devra le donner à un pauvre étranger, à une tierce personne pauvre. Pour le donner, il ne pourra pas le prendre pour lui, parce que là, cette fois-ci, les fruits deviennent imposables au moment où tu les prends, tu les fais entrer chez toi, tu les engranges pour toi. C'est là où ils deviennent imposables de Maaserani. Là, tu es propriétaire des fruits, tu n'as plus le droit de les prendre pour toi. Donc, je reprends. Il a reçu donc, le champ. Il était, en fait, il avait. La condition, c'était qu'il ne soit, il soit pas propriétaire du tiers de la récolte. Mais plutôt, la condition, c'est qu'il recevra en salaire. Une fois qu'il aura cueilli les fruits, il reçoit le tiers des fruits. Il s'avère qu'au moment où il cueille, c'est pas les tiens. Donc il a le droit de venir ramasser les fruits qui sont dans le champ. Mais par contre, une fois qu'il a reçu sa récolte, lorsque maintenant la Torah impose de donner un maaser de la récolte elle-même, ça, il ne pourra pas le donner au pauvre. Et il ne pourra pas le prendre pour lui-même, il devra donner nécessairement à un pauvre. Parce que là, cette fois-ci, cette part-là, c'est lui qui a imposé. Parce que maintenant, c'est lui le propriétaire des fruits. Au même titre que si j'ai acheté des fruits au marché qui n'ont pas été prélevés. Soit je devrais donner le Maaser Ani à une tierce personne. Je ne pourrais pas le prendre pour moi. D'accord? Parce que maintenant, ça devient mes fruits. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.